Alors, je suis très embarrassé pour les yeux parce que j'ai vécu une aventure récente, enfin dire une aventure, vous allez voir, c'est pas une aventure, c'est une réalité de l'âge. C'est-à-dire quand on vieillit, la cornée s'abîme et la vision est trouble, la vision n'est pas bonne. Alors cette vision qui n'est pas bonne, elle est en même temps intéressante. C'est-à-dire la vision qu'on a avec les yeux est une vision qui fait perdre la coloration des objets et on voit le monde, ce qu'on appelle dans la peinture, en valeur. En valeur, c'est dans l'échelle du blanc au noir. Donc j'avais un arbre devant ma fenêtre et cet arbre était sombre. C'était un vert parce que je le savais, c'est un arbre. Il ne pouvait être que vert, c'est un laurier en plus. Et cet arbre était sombre. Et je me suis fait opérer ce qu'on appelle la cataracte. C'est-à-dire on change la cornée par une cornée toute neuve. Je ne sais pas ce qu'on fait, mais c'est une opération qui n'est pas douloureuse, qui est rapide et d'une efficacité incroyable. Et miracle, le lendemain, je me souviens être monté dans le train, je devais consulter pour faire vérifier que l'opération avait bien réussi. Et dans le train qui me ramenait dans ma banlieue, j'ai eu la vision de la réalité. Et la réalité, ça n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais vu auparavant dans des années de ma vie. Les arbres avaient des feuilles, mais des milliards de feuilles. Les petites plantes sur le bord de la voie de chemin de fer, des orties ou je ne sais quoi, il y avait des myriades de feuilles. Et quand j'ai fini de rentrer à pied pour aller chez moi en banlieue, je me suis arrêté sans arrêt pour regarder les petites fleurs qui poussaient aux choses. C'est-à-dire, il y avait un monde réel qui apparaissait d'un seul coup dans sa réalité. Et ça, je ne l'aurais pas imaginé. Et je l'aurais si peu imaginé que maintenant, non seulement je l'imagine plus, mais je ne vois plus les choses avec autant de miracles du détail. Je les perds de nouveau, et pourtant je n'ai pas perdu la vue. Mais ça a été un effet de surprise, une manière de voir le monde que j'ignorais ou que j'avais oublié. Et maintenant, je m'aperçois que je l'oublie de nouveau parce qu'on ne peut pas passer tout le reste de sa vie à découper le monde en petites plantes, en petites feuilles, en ceci, cela. C'était un temps passé qui n'aurait jamais fini de passer puisque je découvrais le monde réel.